Canalisation du 29/11/2021 par les guides de lumière. Nous allons vous parler de ce qui est à venir dans un premier temps. Vous devrez vous assurer d'être en pleine possession de votre pouvoir divin. Si cela vous est possible, recevez ce message avec votre cœur, mes amis. Nous sommes déjà en pleine expansion dans votre vie d'aujourd'hui, donc restez centrés sur votre avenir proche. Car beaucoup d'événements sont en approche, mais nous sommes là à vos côtés. Soyez assurés que nous ne vous abandonnerons pas. Même s'il vous semble que vous êtes abandonné, perdu, n'en croyez rien. Surtout restez vigilant dans votre avenir proche. Ne vous laissez pas déstabiliser. Soyez dans une grande prudence dans ce que vous entendrez autour de vous. On va essayer de vous faire peur, car c'est leur plus grande arme. C'est de vous convaincre que vous êtes sous leur coupe et que tout est perdu d'avance. Mais surtout, n'en croyez rien. Restez confiant envers vous-même et la lumière. Laissez-vous guider par votre cœur et non par votre esprit. Si votre cœur vous dit oui et que votre esprit vous dit non, nous vous supplions d'écouter votre cœur, même si cela vous paraît invraisemblable ou inconfortable. Faites donc confiance à votre moi supérieur, à votre enfant intérieur, votre âme. Ceux-ci ne font qu'un et il saura vous guider. Il vous faut seulement être attentif aux similitudes, aux signes ainsi qu'à tout ce qui vous entoure. Nature, plantes, arbres, animaux, vent, pluie, soleil. N'agissez pas dans la précipitation de la peur. Restez confiant en vous-même, ainsi qu'en vos guides lumineux en chacun de vous. Vous serez harcelé, malmené parfois, mais vous êtes capable de passer au-dessus de tout cela, car vous êtes protégé par notre terre-mère et l'espace divin. N'ayez crainte, nous veillons sur vous tous qui avez le cœur ouvert ainsi qu'une grande ouverture d'esprit. Tout cela vous aidera grandement pour sauter le pas vers votre très haute divinité et autres dimensions. Qu'il en soit fait ainsi selon la volonté de chacun pour le meilleur et le bien de l'autre ou des autres. Soyez lumineux, joyeux, faites fort comme vous pouvez l'être. Ne baissez pas les bras, le combat n'est pas terminé. Mais vous êtes sur le bon chemin de la liberté, la souveraineté, la divinité toute puissante. Que la lumière brille sur vous, mes amis. Nous vous aimons tous très fort. Gratitude à vous pour le chemin que vous avez déjà parcouru avec brio. Nous sommes fiers de vous. Prenez soin de vous et de vos hôtes, les guides de lumière.